Cette fois-ci, on est bien parti. Et Atouza est parti au galop, le numéro 10. Très bon départ au deuxième poteau de Guématin, le numéro 13, qui a été le plus rapide. Quant au favori King Cole, il a préféré assurer les premiers mètres. Il se retrouve quand même assez loin au moment où les concurrents vont pénétrer dans le premier tournant sous l'impulsion de Golden Détouche, le numéro 3, qui voit venir à son extérieur très vite d'ailleurs Horace Dartenay, le numéro 7, bien décidé à prendre les commandes de l'épreuve. Avec Horace Dartenay qui fait le forcing, qui va passer au commandement devant Golden Détouche. Haribo Dutiolet également est bien parti. Il est en troisième position, suivi par Gypsy Tauris. On s'est positionné en filinguienne en ce qui concerne la première partie du peloton. En ce qui concerne les chevaux des 25 mètres, bien c'est King Cole qui est en train de faire l'effort, le numéro 14 devant les tribunes pour se rapprocher. Lui qui avait assuré les premiers mètres, on l'aperçoit à droite de l'écran, il est en train de refaire du terrain alors qu'on accélère avec le numéro 4, Haribo Dutiolet. Haribo Dutiolet qui va relayer à l'avant du peloton Horace Dartenay en troisième position, Golden Détouche, suivi par Gypsy Tauris, le numéro 5, toujours en file indienne, Fanfaro Bello qui suit en cinquième position, talonné par le numéro 8, Benz As, et le favori King Cole qui a déjà refait une partie de son retard. Il est très très loin, c'est Global Above All, il était parti au galop, il est hors course, on peut le dire, il est à une centaine de mètres, quoiqu'il est peut-être en train de recoller. Sait-on jamais, mais il est très très loin. Haribo Dutiolet en tête, Horace Dartenay qui est deuxième et Golden Détouche qui est en troisième position. Voilà pour l'avant du peloton qui se présente dans la ligne d'en face. Alors que King Cole continue toujours de se rapprocher, il est à flanc de peloton, il est à l'avant du wagon de la deuxième épaisseur. Il est vrai que devant on n'est pas allé très très vite, donc ça favorise le retour de King Cole. King Cole qui vient désormais en troisième position, pratiquement pour rejoindre le numéro 4, Haribo Dutiolet, qui va sans doute même prendre les commandes de l'épreuve. Alors que Benz Hoss s'est rapproché à son tour, le numéro 8 qui fait mouvement, King Cole qui va prendre l'avantage, puisque Haribo Dutiolet ne le contre pas. King Cole, le grand favori qui passe en tête. Haribo Dutiolet deuxième. Horace Dartenay en troisième position. Benzas qui est à son extérieur. On retrouve plus loin Golden Détouche. Alors qu'en queue de peloton, il y a le numéro 6, Fanfaro Bello. Il y a également Atusa, numéro 10. Il a peut-être fait le plus dur, King Cole, en venant à l'avant du peloton. Il est toujours suivi par Haribo Dutiolet. Horace Dartenay qui trotte sur une troisième ligne. Numéro 8, Benz Hoss qui lui est à l'avant du peloton. Ne cherche pas à avancer. Dans son dos, il y a Commande, c'est la casaque blanche. Et dans le dos de Commande, le numéro 13, Guématin. King Cole devant les tribunes au contrôle de la course. King Cole, toujours suivi par le numéro 4, Haribo Dutiolet. En troisième position, c'est Horace Dartenay. Au centre, Benzas, à la corde Golden Détouche, également à la corde Gypsy Tauris. C'est Mel Biguard qui ferme la marche, le numéro 11, alors qu'il reste un tour à parcourir. On commence à accélérer avec le numéro 14, King Cole. On a vu Christophe Martens demander à son cheval d'accélérer. Haribo Dutiolet le suit en deuxième position, de même qu'Horace Dartenay sur une troisième ligne. Golden Détouche qui vient ensuite. Benz Hoss qui n'améliore pas son classement. Il est à hauteur de Gypsy Tauris, le numéro 5. Commande, Fanfaro Bello qui vient ensuite, toujours au dernier rang. Le numéro 12, Grisou Atou. Et Mel Biguard, le numéro 11. La ligne d'en face, King Cole qui durcit la course. King Cole toujours suivi par Haribo Dutiolet qui pour l'instant a un excellent parcours. En troisième position, on a toujours qui patiente Horace Dartenay devant Golden Détouche et ça creuse un peu derrière. L'écart se creuse un peu car peu de chevaux ont pour l'instant le potentiel de venir. Guématin qui tentait de se rapprocher est au galop. Et il voit qu'on va vite devant sous l'impulsion de King Cole avec en deuxième position Haribo Dutiolet. Voilà maintenant le numéro 7, Horace Dartenay qui a longtemps été préservé et qui est lancé à la poursuite de King Cole. King Cole qui a toujours l'avantage pour pénétrer dans la ligne droite finale mais de plus en plus vite maintenant Horace Dartenay. King Cole qui a fait une petite faute maintenant, il a été remis et Horace Dartenay va en profiter pour prendre l'avantage. King Cole va-t-il pouvoir se relancer? Horace Dartenay qui a l'avantage maintenant, on lui rabat les œillères mais King Cole se ressaisit côté corde. Horace Dartenay, King Cole qui vont lutter jusqu'au bout pour la victoire. Horace Dartenay, King Cole qui revient côté corde, qui vont batailler jusqu'au bout pour la victoire. Horace Dartenay, King Cole le favori qui regagne du terrain et qui prend le meilleur aux abords du poteau devant Horace Dartenay. La troisième place pour le numéro 4, Haribo Dutiolet, et la cinquième pour le 5, Gypsy Tauris.